La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Les seuls qui peut-être se soient bien assimilés ici à la vie américaine, bien qu'ils continuent à vivre entre eux, comme vous allez le voir tout à l'heure, ce sont les Basques. Et Guy Sartoulay est allé retrouver les Basques sur la côte ouest. Ces deux hommes sont des bergers basques et de nombreuses années après leur arrivée aux États-Unis, ils continuent à parler le basque. Thank you.
Pour moi, c'est quelque chose de très joyeux. Pourquoi? Parce que Dia de Muertos, on explique en fait la tradition vise à dire qu'en fait ceux qui sont morts, qui sont qu'on a perdu, sortent en fait de terre et viennent passer pendant une journée. Ils viennent passer la journée avec nous. Pourquoi on mange? Parce qu'on a l'impression de manger avec eux. Et donc on mange. Ouais. Ça paraît bizarre. Ça te trouve ça bizarre? Pourquoi tu trouves ça bizarre? Parce que on ne fait pas, donc on n'a pas l'habitude de voir ça. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mais qu'on pose énormément de choses, mais en fait, c'est comme si on le sait, mais personne ne le sait. Nous, chez nous, tu dis? Non, là. C'est nous. Après, moi, je trouve un peu normal parce que quand même, les morts, il faut un petit peu les faire vivre comme s'ils étaient là. Comme s'ils étaient encore là. C'est ça le but en fait, c'est de considérer que même s'ils sont partis, c'est encore parmi nous et on fait la fête avec eux. La Palestine, c'est ce grand pays qu'est Israël actuellement. Je dis Palestine parce que cette terre, elle a été la Palestine pendant des centaines et des centaines d'années, c'est-à-dire entièrement appelée Palestine. D'après toi? Non, mais pas bien, Nazareth. Il a grandi là-bas. Puisque l'islam n'est apparu qu'au 7e siècle, et il a été construit exactement à l'emplacement de ce qu'était le temple de Jérusalem. Et j'ai fait la comparaison avec le Berbé, Bayonne, Anglais, Biarritz, Boucau, Bidar. Et on arrive sous la ville de New York. On monte un étage, et là, c'est une ville, encore une fois, sous la ville. Il y a des centres commerciaux, et c'est gigantesque. Quoi. On ne voit pas le ciel, on ne voit pas les plafonds, et on est baigné dans des bâtiments de sous-sol. Quoi. Quand on regarde la carte, San Francisco, c'est ici. Et la communauté basque est le plus regroupée sur la côte ouest. Il y a 132,5 000 habitants. Millions d'habitants. Ah, oui. Et la capitale du Mexique? Mexico. Ça se situe où le Mexique? On va parler si c'est situé où? Oui.
C'est dans la boîte. Ah mais qu'est-ce que vous Attends. On répète la même phrase deux fois. Alors, notre association Togo 19 est née il y a 18 ans déjà, donc elle est majeure cette année. Elle est née à partir de gens comme vous, elle est née d'une correspondance scolaire, c'est-à-dire que des enfants du Togo avaient eu l'occasion de rencontrer des Français et les enseignants avaient souhaité établir une correspondance avec des élèves français. Le Togo, ça fait partie de l'Afrique, vous savez, ce continent ici. Et le Togo, c'est cette petite bande verte, toute petite. Ça fait à peu près la largeur, allez, en moyenne 50-60 km, parfois 70, et en longueur de la mer jusqu'en haut, 600-700 km. La devise de notre association, et ça je pense que c'est un peu comme votre semaine, notre devise d'association c'est « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Alors nous ce que l'on cherche à faire, c'est d'aller le plus loin possible, parfois pas obligé d'aller très vite, mais c'est d'aller plus loin. Donc ensemble, avec nos amis des villages, nos amis togolais, on essaie d'aller le plus loin possible. Lomé la capitale, le village rennais, c'est là-haut. Bon, vous voyez une rue boudronnée, ça n'est pas le cas partout. Vous prenez une ville, vous allez à Bayonne, vous allez à Toulouse, vous allez, toutes les rues sont boudronnées. La capitale Lomé, 1 500 000 habitants, il y a de nombreux quartiers où vous allez voir simplement de la terre, rouge, un peu de la terre, comme sur les bords, les rues ne sont pas forcément boudronnées. J'adore. On fait des trucs vraiment chouettes. C'est sympa, hein?
Donc là, c'est la dernière fois qu'on chante ça ensemble. Donc voilà, on va essayer de le faire aussi bien que ce matin, comme on veut, hein, d'accord, dans la joie et la bonne humeur, pour fêter un peu la fin de cette bonne semaine qu'on a passée ensemble. Non ? Oui. Oui ? Allez, on l'écoute une dernière fois, on la chante ensemble dès le départ. Attention, comme d'habitude, ça commence tout de suite. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me sube a ti más alto, llorona, a ver si te pisaba. Me sube a ti más alto, llorona, a ver si te pisaba. Como el río. M'avait apporté donc témoignage et on est parti faire des photos, donc j'ai récolté tout ça et donc
ça a fait donc un livre numérique. Donc avec tous vos témoignages. Bon là, je m'excuse, la qualité ne rend pas très bien sur le tableau. Donc voilà, vous avez vos photos. Donc Aitor qui est très à son avantage, comme vous voyez. C'est l'histoire de mon Aitachi Grachien qui habitait à Europel et a voulu trouver mieux ailleurs. Il décide de rentrer à Europel. Il avait comme seul héritage un accordéon qui par la suite l'a troqué pour une belle radio noire et un meuble qui est encore au grenier de mon amitié. Ok. Maintenant, il a fini ses études et cherche du travail avec l'équipe du Chocatila de Soura. Avec l'équipe du Chocatila de Soura, il a été championnat du monde au Japon. Bye.